Yeah, here we are, Samurai 9 Fight Day, les chums. On s'en va se diriger là dans pas long. C'est le vlog qui est en risque, man, est en risque et péril, les chums, si le vlog. Parce que là, Carabine officiellement le commentateur en français. Donc on perd un membre pour le vlog. Pour le mieux, là, on s'entend, c'est pour le mieux, man. On est très content pour le chum Carabine qui soit en mesure de commenter. On le sait qu'il aime ça faire ça, puis il est fucking bon en plus. Bien que j'espère que vous avez écouté le stream en anglais, mes hosties, man. Je vous admire, ma gang de calice. Mais bref, c'est étant dit, monsieur Sparky vient de terminer son travail à l'ordinateur. Là, c'est tellement busy, là, Samurai Fight Day, que monsieur Sparky, il faut qu'il m'aide à l'ordi, faire plein de choses, c'est fait que c'est ça qu'on fait, man. On finalise les derniers préparatifs et puis on s'en va à Montréal chez Max, puis ensuite à la Tohu, man. Je pense que c'est le premier vlog à la Tohu, les chums. Je pense pas que dans le temps des TKO à la Tohu, je faisais encore des vlogs. Si je me rappelle, le premier vlog, c'était au TKO 42, c'était à Laval, 43-44 à Québec, 45, c'était au Centre Bell, 46, c'est lui qui a jamais eu lieu, 47, était au Centre Claude Robillard, quoi de même, et puis le dernier a été à Gatineau, donc jamais encore de vlog MMA Talk à la Tohu. Fait qu'on va essayer d'arriver là un peu plus tôt, là, puis je vais essayer de vous amener un peu partout, là, backstage, vous montrer ça a l'air de quoi, puis pendant les combats, on va faire le mieux qu'on peut pour avoir un peu de footage pour vous, les chums, mais c'est le vlog Samurai MMA 9, let's fucking go, man. Ça se passe, les bums, on est prêts, man. Tous les éléments sont rassemblés, man, pour que ça aille bien. Ouais, visionnez, les chums, c'est par qui a la couche, man. Il est prêt, il va faire une crise. Victoire à la victoire, toujours, man. Let's go. La TV joue des sauts pour M. Sparky, qui est un grand fan de Les Feux de l'amour et tout ça. Fait que là, il nous manque qu'une chose, les chums, la voie de la réussite, man. Absolue. Elle est direct là, vous voyez? Ça. Oh, ouais, man, ça, là. Ça, les chums, là. Cette pièce, cette d'anthologie, man. Monsieur Sparky, vous voulez, hey, venez la chercher, les mecs. Là, Sparky est content, fait que là, faut se pousser en douce. Ouais, en soccer. Sinon, ça fait de la peine à Monsieur Sparky. Puis on veut pas faire de la peine à Monsieur Sparky. Alors, c'est vraiment un documentaire qu'on est en train de faire, man. Chalotte à l'aréna, man. J'aime beaucoup la nature. Pink Mountain, si nous y sommes, les chums, man. Victoire! Victory MMA! Victoire! Victoire! En exclusivité, les autres marchent à carabine. Ouais, c'est dans la veste cette fois-là, les gars. Je tiens à l'absurde de tout blâme, là. Ouais. Je vous confirme, les gars, que carabine n'a pas construit ce bloc appartement. Non, c'est pas vrai. Il ne fait qu'y habiter, vous voyez. Ouais, vous voyez. La grande noirceur de Dark Nuns. Yes, oui, man. What up, gangsta? C'est un petit Ça me une porte, si t'as une porte. On arrive, Carabine s'en va. Chant, gros. What's up, peace, les boys? Yes. Sorti de mon roulet, man. Exclusivité. Excuse. Ça, les bums, des recettes de tacos, man. Victoire. Toujours dans. Victory MMA, là-bas. Oh les chums, drip check victorien. Écoute, première apparence, man, c'est UFC Fight Pass, les gars, fait qu'on a raise up le shit, man. Charlotte à mon chum Raph pour le tox, man. Chemise blanche grise, je pensais que c'était blanc, mais c'est grisâtre. La petite buckle Hermès, on a les pants, vous le savez tout le temps, moi c'est Tommy Hilfiger. Mais le gros changement, les boys, c'est en bas, man, fais mes pieds, G. Les souliers de Toronto, oh, man, Wagwan, Yodelmore, man. G, man. Let's go, fait qu'on va faire les entrevues habillés comme ça. Lauren Street, le gros, pour les Let's go, prêts. Mon gars. Ski! Drip check fight pass, tiens, pour Maxence Carabine. First, parle-nous des cheveux, man, what happened with the hair? I put a brick in your face. C'est ça qui est arrivé. Donc... Fraîchement, tout droit sorti de la coiffeuse, les chums. UFC fight hair. Il fallait essayer quelque chose de trendy. Donc le voici, le voilà. Sinon, grosse chemise style mécano. Je voulais quelque chose de baggy un peu, de soivé. Mais sans excessivement bien, excessivement confiant. Ok, les pants sont quand même fous, mais faut apprécier. Tout est dans le motif. Solide carabine. Carabine, un gars qui a pas peur de mixer le brun avec le noir. On sait que c'est... C'est rendu trendy, mais les gens, ils osent pas tout, non. Man. Mais Carabine, c'est un gars qui ose. On est là pour ça, les bums. Écoutez-nous sur Fight Pass, let's go. La touch est morte, hein? La fameuse touch est dead, les gars. La touch est morte.
Puis le stream anglais, très important. Big, on peut pas aller à un show de MMA sans l'esti de racaille de Grimby de Colis, de la gang à Daishka de Steven. Gang de bombes. Ça va mon chien. Ça va? Bien sûr, ça va. C'est comme le combat avant le combat. Oh non! Ouais, il va pas ça que ça brise. Chris, les bombes là t'as eu, man. Devant nous, esti. Le retour, man. Les gars, c'est bon signe, ça. La régie est là, tu sais qu'on va avoir des fêtes, esti. Pas de régie, pas de fête, les gars. Nous entrâmes et soudainement il faisait plus chaud. Pas Angèle, le seul unique. Avec le côté de fer, man. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. T'as eu les bombes, si tu checkais ça, man. Bon, tu veux, gros. Bon, tu veux, mon Victoire. Damn, there it is, les chums. Le grand râteau à Atelier, ici. Check-moi ça. Un petit papé? Oui, papé. Oui, papé. Bonjour. Salut. Hey, viens-tu te battre, mallette? Ah, bro, man, j'arrête de ça. Viens-t'en, man. T'as deux chances, man. Ok! Oui! Exagère! Hey, gros, sérieux, la salle, man, est débile, man! Ouais, c'est fou, hein? Ah! On vient de trouver les bleus, tabarnak! Bonjour, bonjour! J'ai proposé de step in pour le. Mais le 155 livres est dur à atteindre. Ils ont pas voulu, la régie a pas voulu. J'ai cherché le monsieur en fauteuil, je l'ai pas trouvé non plus. Il faudrait que tu refasses un autre podcast pour blaster la régie, mais finalement juste blaster les médias. Là. Pourquoi? Ça y est, la régie, on les aime maintenant? Non, c'était drôle de genre là, faut parler de la régie, puis après une minute, il est là. Les hosties de médias traditionnels québécois. Ouais, j'ai fait un genre coup de gueule. Genre là, t'es en train de t'en aller ailleurs. Mon gars. Prochain coup de gueule, il est contre de MMA Talk. Bon, restez connectés. Ça a l'air d'être une gang de bombes de MTT, ça, en plus. Ça. Salut! Bonjour mon gars! Ouais, bonjour Kevin, bonjour Zachary! Merci! Checkez-moi ça les gars, man! No, the thing that Jelly won't like is that Alana told me to kiss Keenan. Yeah, I said that he wouldn't like it, so I said that I'm a kiss Jelly, so that Jelly could kiss Keenan. Yeah, but she told me to kiss Keenan too. I'm like, fuck no. That's the man. Yeah, 24 hours. Tu vas walk out direct ici tout à l'heure, le gars. Tu te rends compte de ça? Ouais. T'es fou, mon gars. Let's go, Jimmy. Check it out. C'est des orteils dans la cage, là, ouais, man. C'est ce qu'on fait. On essaie de se faire arracher. I'm trying to wear it in. On va poster ce clip-là sur Feed Finder ou de quoi, là. C'est là que la journée, c'est aussi, si tu veux. Les gars, man, on vient d'unlock une nouvelle mission pour ce soir, man. Faut que quelqu'un vole le compte à Lucas comme s'il était Mérap de Vallée-Juvilly, man. Oh, ouais, ouais. Il se promène avec toute porte, la situation. Il porte pour toujours, mot, man. Drip check, Romuald. Romuald, que portes-tu, man? T'es magnifique, d'ailleurs. Sponsored Simons. Hugo Boss the Shoes. Yeah, mon gars, tu peux m'appeler Joe Ramsey. Oh, Hugo le patron, man. Eli, you wearing something or you just, oh, he's got the brand and shit like bro, I got fucking my own merch, bro. You already know. Bon Dieu, comment ça va? Ça va très bien, toi, Dimars. Ah, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Why that?
Starbucks, that's fucking basic, bro. Basic, that's what I am. Basic as fuck. Fucking delicious. Yeah. Rip check more reason, man. Repair du gentleman. Yes, like, sir. Check. Repair, man. That was a fucking sick, en tout cas les shoes, tout. Le gars, il est clean cut, man. All white and black. Ready for war, c'est mon Tommy, man. Let's go. C'est main event, Morgan. Yes, sir. Superstar Chapu. Let's go, mon gars. Mais ils ont fait ça, ils n'ont rien à faire. Ça va, bro? Ça va, mon gars, quand t'as ta voix. Let's go, man. Let's go. C'est déjà battu, t'as eu, toi, en plus. Trois fois. Une victoire, deux défaites. Crise de place, le marre. YouTube! This guy! Comment estás? Al puro putazo. Listo para representar. Isn't that the main event guy? Yeah. Ottawa Rap TM has trademarked that shit, man. Second sexiest man in MMA. Second, who's first? Tommy, he told us the other week. Come on. Yeah, bro. Theo Karras. Come on, he's handsome as fuck. I'll agree to be nice, but like. Tommy? Yeah. Let's be like real, Tommy, bro. You can't say he's a good looking guy, can you? He said it, not me, man. He's handsome, he's not good looking. Favorite, bro. We're in 2024, the dad bod's rocking. I'm the hottest guy in MMA right now, bro. Yeah, no, Powell's stock is going way up right now. 100%, bro. He's got all the beefs. He's gonna fight Jamal Hill, then he's gonna fight a local manager. It's gonna be crazy. There won't be a reason not to. Checkez-moi les deux os. Punk, man. Fuck you. Fuck you. Mackenster, non, personne. C'est que t'es laid, man. Yeah, he's not fighting, he's scared, look at him. Who's scared? You are scared. Hey, it's not programmed. Fear is not programmed in my mind. Nothing. Ça va être malade, là. Ça va être vraiment beau. Là. Genre de partir avec ça, moi. Max. Oh, yeah. Oh, yeah. Je suis content de te voir pour vrai. Bébé, il white lion. Bébé, il cute, man. Il est correct, ça, c'est le plus important. De quoi Alain venait pareil, là je vois ça puis je comprends, tabarnouche. Du coup j'en veux des petits bacs lavables, des sandwichs. Ah, je suis là. Ski! Damn! Check officiel, les gars, man. Le fameux habit, deux couleurs, man. Nous l'a vendu, celle-là. On l'attendait depuis longtemps. Avec le petit costume, man, chemise noire. On va l'attacher, mais là je veux respirer un peu. Les pants noirs, tout un, ça vient tout ensemble, c'est un three-piece, m'attacher ma fly, c'est nice. On va mettre les Jordan encore ici, les chums, mec. Ouais, Fender Glass, c'est bitch, man. Je suis vraiment down avec le suit. Man. Pas mal sûr que Victoire donnerait un 12 sur 10. 12 douleurs, man. Si Strania me donne pas 12 douleurs, là, c'est moi qui vais infliger la douleur à Strania, man. T'as-tu compris, mon big? Moi, Fender, j'ai la coupe Diego Lopez. Ouais, elle était big, man. As-tu l'air? Ma maman me trouve beau, man. C'est la seule chose importante. Maman me trouve beau, tout le monde me trouve beau. Allons voir les réactions. C'est quand j'ai vu Eric habillé, super. Je me suis dit c'est l'heure d'aller s'habiller. Super! Ouais, Paul Matoun! Paul Matoun! C'est parti, on est prêts, t'as-tu? Ski! Bon ben c'est ça ma gang de colis, il faut que j'aille me préparer à faire les soundchecks pis tout, sûr qu'être beau, une demi-heure les combats commencent les gars, on va voir ce qu'on peut faire pour vous même. Hey, un petit mot pour Kevin! Pour qui? Non, comme Kevin, fun fight Kevin! Un petit mot! 20! Hey, yo, ça c'est la vie de champ, mon gars! Ouais, wow, c'est ça, quand t'es un champ, c'est ça, les gars! Let's go! Chaud ça, Max!
Vous avez tout un petit affaire spéciale. T'as-tu vu Tommy et son Rambo, man? Ça, man. Fucking sick. Repère du gentleman, les boys, man. Fin de changement de niveau, là. Oh!
magic, ça lui fait réfléchir un peu. First of all, I just want to say thank you, Montreal. It was my dream to win. This is a powerful crowd from our crowd here in Canada. Thank you, thank you, thank you, man. Fuck that, thank you, Montreal. It's great to see you all this afternoon. Good to see you this week. Shut your mouth! J'ai vu de ma vie en live, ever. C'était horrible, mon gars. Il est rentré dedans comme Ousmane, il a feinté, mon gars. Oh, il s'est collé ça, c'est horrible, mon gars. Magnifique pour Alex, mais horrible, non. Ah, gros, c'est c'est genre spray painted, non? C'est custom made, man. Finish him, tout à... Ouais, check, man. C'est tout fresh custom. Carabine, y'a-tu vu ça, gros? Man, il est où, Carabine? Carabine, c'est genre un méga fan de Graph, là, fait que genre, tu sais qu'il va te triper bien dur. Camilo, ça parle avec le boss, man, ça parle avec le boss! Hey, le présent pis le futur, tabarnak. Camilo avait là, Joe Ramsey. Le présent et le futur, man. Rappelle-toi de ça. J'ai jamais eu une photo avec mon père dans la cage. Ouais. C'est moi ton père. Ouais. C'est moi ton père. Fucking Ward est en cage. I wanted you to get that. What the fuck is going on with that shit? Fuck yeah. Good job, brother. Thank you, man. Appreciate it, man. That fucker was insane, man. He was tough. Like, volume going at it. Yeah. For, like, second round, we were like, bro, that's fucking too close. But then third round started with the right end, and you were going through his fucking head every time, man. I felt the week, man. The week was stressful. The week with this. I felt the weight cut, the change of pone, and lack of sleep, not knowing if I have a fight coming up. I took 2-3 days off. I can feel... Like, that was like 50% of me, man. Honestly, I'm gonna tell you from the heart, you're a fucking legend, and it's an honor to have you here, my brother. Man. Oh, for... Man.
Ma gueule du dingue. C'est la première fois qu'il y avait pas de genre. Toutes les mêmes poutines, la Kelsdon Starlet, avec souvent après une poutine de punk avec du ballon au nez, genre. Moi, je suis allé avec. Ouais. Ah, c'est que la tienne, Chris, faut pas j'oublie, on est en iPhone Vlog pour la fin, man, les gars. On a mangé à Barcase, comme d'habitude. J'ai deux poutines take-out. On s'en va porter ça à Lugo pis LPDO, man. Le gars, tabarnak, lundi, il savait même pas qu'il allait se battre, c'ti. Il est venu se battre contre Dayan Kajik pis il l'a probablement battu, les gars. Fait que, honnêtement, il mérite bien ça, man. On va aller reward avec ça, les chums, à l'hôtel. On vous amène. Je veux dire, les gars, en entrée. Ouais, vas-y. C'est ça, la chambre. Je sais pas. First time poutine, man. Editing favor, vu qu'il n'y a pas de conclusion pour le vlog, fait que voici la conclusion du vlog. Je pense que ça a bien été. On a des belles images pareilles. Greg a filmé plein de belles affaires. Moi, j'ai laissé la cam là. On a des double shots des combats. Je pense que c'était nice. Vous me le direz, c'était comment, mais je pense que c'était nice. Merci d'avoir écouté. Like and follow. Danser dans les rues, niveau 4. Channing Tatum, let's go, bye.